Je suis donc venue pour vous au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Pourquoi Montreuil ? Parce que c'est en fait le salon de référence pour tout ce qui touche la littérature de jeunesse. On y trouve de tout et du reste, donc des grands éditeurs, bien sûr, aussi des petits éditeurs. Et c'est cela qui va sans doute nous intéresser lors de notre visite. Alors je sais que ce salon présente des livres tendancieux qui quelquefois ont levé la polémique dans les deux sens, puisque ceux qui osaient les critiquer étaient eux-mêmes accusés d'être des censeurs. Mais cela n'est pas le débat cette année où le salon fête ses 30 ans, donc il commence à devenir peut-être un peu adulte. Nous avons repéré énormément de très beaux livres, soit dans les grands classiques illustrés de manière contemporaine, soit des créations d'aujourd'hui, et puis tous les grands romans présentés par les locomotives que sont Gallimard Jeunesse, l'École des loisirs et d'autres grands noms de l'édition. J'ai aussi trouvé de jolies pépites sur les stands des petits éditeurs et vous allez voir qu'il y a des livres très colorés, très joyeux, d'autres très sérieux. Donc on va du plus pédagogique au plus ludique et tout cela va nous faire une très belle bibliothèque pour les jeunes. Nous sommes maintenant sur le stand de Gallimard Jeunesse. Alors déjà dans une collection qui regroupe les grands classiques, cette année c'est L'île au trésor de Stevenson, qui va nous emmener donc sur les terres lointaines avec les corsaires et les pirates. On va aussi parler de la guerre de 14, mais côté anglais, avec Mon père est parti à la guerre, qui est un livre très très émouvant, où un petit garçon essaye de faire avec le départ de son père pour la guerre. C'est un très très beau livre aussi, un très beau récit. On est toujours alors dans les livres d'aventure, un petit peu dans le genre du Petit Nicolas. On a La famille aux petits oignons, qui est un incontournable des livres d'humour avec des familles nombreuses, des gens A, gens B, gens C, etc. Donc c'est toujours un cadeau qui fait plaisir à tous les enfants de 7 à 9 ans. Et puis l'auteur incontournable de Gallimard, c'est Eric Lhomme, bien sûr. Son dernier opus de féerie, c'est Terre Dragon, le souffle des pierres, où il nous emmène dans des univers aussi étranges que fascinants, avec des héros dont vous suivrez les aventures avec plaisir. Et pour les plus grands, à glisser dans le sac à dos, alors ce n'est pas un livre de féerie, c'est un livre d'aventure, c'est Le regard des princes à minuit, dont Eric nous a déjà parlé à l'antenne, et qui raconte comment on peut s'initier à des aventures extraordinaires, comme escalader par exemple les façades de Notre-Dame ou descendre dans les catacombes. Donc mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur du salon, c'est sur le stand de Casterman, un superbe album, une aventure vraie. C'est l'aventure d'Ernest Shackleton au cœur de l'Antarctique, donc qui est parti traverser ce continent totalement inconnu. Et le livre est magnifique, c'est un album avec des dessins très originaux et qui rend en effet honneur à ces aventuriers de l'extrême. C'est non seulement une très belle aventure, mais une très belle façon de la raconter. Et je pense que c'est un livre qui intéressera vraiment les enfants et en particulier les garçons de 7 à 11 ans et puis peut-être un peu plus âgés même. Alors nous nous sommes arrêtés sur le stand de l'École des loisirs, qui est évidemment une des locomotives de ce salon de Montreuil. Et là, j'ai trouvé un très joli livre de contes de Grimm. Ce sont les quatre musiciens de Brême, qui est vraiment un conte très très connu et très apprécié des petits. Et il est illustré par Gerda Müller, qui est une bonne illustratrice allemande, avec des dessins à la fois naïfs, charmants et naturalistes. Alors l'avantage du Salon de Montreuil, c'est que nous y retrouvons beaucoup de petits éditeurs. Je suis actuellement sur le stand des éditions Notary, et là j'ai repéré deux livres. Un conte d'Andersen très classique, Les Cygnes Sauvages, mais illustré avec beaucoup de raffinement et de délicatesse par une illustratrice contemporaine. Et ensuite un livre que je n'hésiterai pas à dire philosophique, Où va-t-on quand on disparaît, qui pose la question très délicate de la disparition, parfois avec un peu d'humour, et qui a surtout le mérite de laisser le sujet très ouvert. Quand on disparaît, eh bien, fait-on comme les nuages? Est-ce qu'on s'évapore comme la neige? Est-ce que l'on fond? Évidemment non. Est-ce que l'on monte au ciel? Est-ce que l'on reste quelque part sur Terre? Eh bien, on ne sait pas. La seule chose que l'on apprend, c'est que pour disparaître, eh bien, il faut être deux, celui qui reste et celui qui part. Comment définissez-vous les éditions Notary?
C'est une maison d'édition qui a une double ligne éditoriale, donc on fait des livres pour adultes, des livres d'art et des livres jeunesse, des albums ou des livres objets parfois, toujours dans l'illustration. Donc l'idée c'est de proposer des images aussi artistiques que possible aux enfants avec des textes qui les accompagnent. Sur le stand des éditions Corentin qui viennent de Pau, nous trouvons des livres qui ont une particularité vraiment intéressante. Ils sont illustrés avec les grands illustrateurs du début du XXe siècle. Donc on retrouve Peter Pan, on retrouve Alice au Pays des Merveilles, les contes aussi Hansel et Gretel, des contes scandinaves avec des illustrations de Rackham, de Dulac. Et donc ce sont des livres très bien fabriqués et qui vont durer dans la bibliothèque des jeunes et des adolescents. Vous êtes venu de Bruxelles, de la maison de Maurice Carême, oui. Qui est une maison d'écrivains. Alors ce grand poète dont nous avons tous appris les fables, comment est-il actuel aujourd'hui ? Mais de plus en plus, j'avoue, à notre grande joie, parce que je ne remercierai jamais l'École de France pour la publicité qu'elle aurait fait autour de Maurice Carême. Nous n'avons jamais donné autant d'autorisations à reproduire que depuis sans doute 2-3 ans. Et il est de plus en plus actuel. Je pense qu'il avait d'abord une poésie profonde, humaine, qui parlait des choses essentielles à l'homme. Et alors il s'amusait à dire, si vous parlez du dirigeable, un jour il n'y en aura plus. Donc cette poésie va passer. Mais si vous passez de l'homme, de l'amour, de l'humain, ça n'a pas d'âge. Alors les éditions Kanjil présentent des livres albums avec des chansons. J'en ai retenu deux, des chansons de France et des chansons russes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors en effet, nous avons sorti récemment donc « Dis-moi des chansons de France » qui reprend 9 titres des chansons de France. Donc vous avez « Cadet Roussel », il y a « Malbrook s'en va en guerre », »,« Il pleut bergère ». Et vous avez toujours une petite partie explicative au début, ensuite la chanson, une partition pour les jeunes pour les jeunes musiciens. Et celui-ci est un petit peu particulier car en deuxième partie, nous avons ce qu'on appelle le grimoire des lutins qui reprend toutes les chansons en expliquant l'historique. Par exemple, sur Malbrook, qui était-il, qu'a-t-il fait, quelle guerre a-t-il faite, etc. Et voilà, donc on a vraiment une première partie très musicale pour les plus jeunes et ensuite une partie documentaire pour les plus âgés. Voilà. On essaye de faire des livres vraiment complets, qui puissent suivre l'enfant dans son éveil jusque très très loin. Alors sur le stand des éditions courtes et longues, deux types d'ouvrages. D'abord un conte très traditionnel, La chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet, que tout le monde connaît, mais avec des illustrations très contemporaines d'un graveur. C'est très curieux, la typographie est aussi osée, mais très lisible, et c'est vraiment un très bel ouvrage d'art. Ensuite, un autre auteur maison, qui est Isabelle Simler, qui aime autant les oiseaux que les chats. Elle aime les oiseaux, donc elle les dépeint avec une précision de naturaliste, et en même temps, elle aime beaucoup les chats, donc les chats deviennent très coquins, et notamment dans son dernier opus, Tête à tête avec mon chat, où en fait un petit garçon échange sa situation avec celle du chat, et cela donne lieu bien sûr à des images très amusantes. Alors les éditions Aedis, vous les trouvez bien sûr sur toutes les aires d'autoroute de France et de Navarre. Eh bien, elles sont aussi ici à Montreuil avec leurs fiches cartonnées, plastifiées, très très pédagogiques. Donc ce sont des petits documents toujours intéressants. Donc vous pouvez aussi bien réviser les conjugaisons, apprendre la liste des rois de France ou quelques mots d'anglais, d'espagnol, etc. Donc ces fiches cartonnées ne sont en plus pas chères du tout et elles sont toujours intéressantes à glisser dans la boîte à gants. Alors il y a des jours où l'on est rouge de colère, d'autres où l'on est vert de peur ou bleu de froid. Et bien toutes ces émotions, on les retrouve dans des petits albums très amusants et très colorés de Miss Van Hout, une néerlandaise, et un peu des petits livres tout à fait adaptés aux maternelles, aux enfants à partir de 2 ans, et qui vont vraiment être étonnés par les couleurs, la vivacité de ces couleurs, très très amusantes. Donc chez Mine Édition, nous n'allons pas quitter ce salon avant d'avoir fêté Noël, et notamment avec deux très beaux ouvrages,
sur la nativité et sur les rois mages, donc des livres de Géraldine Eschner avec des illustrations tirées des plus grands tableaux des peintres de la Renaissance et du Moyen-Âge. Notamment, le livre sur la nativité est illustré par Giotto, excusez du peu. Ce sont des livres très très beaux à offrir à Noël et à lire toute l'année. Deux autres volumes dans la même série, un sur Pâques et un autre sur Saint-François d'Assise.